comment on a dit ça. Après une longue journée de bus, c'est un plaisir d'arriver chez Moultou et Emre qui nous attendent avec le souper tout prêt. Depuis Kayseri, nous repartons à vélo pour traverser la Cappadoce. Viens, il y a plein de montgolfières en dessus de notre tête. C'est comme des petites des feux qui s'allument comme ça. Tch, tch, tch. Comme s'il y avait des petites bougies partout. Ta chambre. Oh là là, c'est quoi là au fond? Je sais pas. C'est petit là. Ah, waouh. Bon, faut pas tomber, hein. À Guéremet, on rencontre 9 cyclo-voyageurs en un jour. C'est avec intérêt qu'on découvre les vélos solaires de Marie et Jacob et le tandem de Alexis et Émilie, et qu'on échange nos expériences autour du feu. Petit matin, tout plein de lumière, le petit matin nous met en train. Allez, Gotha! Après, c'est qu'il pleuve, qu'il neige, et puis là, il neige. Donc là, on est dans l'ancienne ville souterraine de Derinkuyu. On descend à 85 mètres. Sous-sol. Thank you.
deuxième partie de vélo en Turquie commence à Antalya et nous allons suivre la côte jusqu'à Bodrum. Démonstration de la salade du soir. Ça coule partout. Il est très facile de trouver des endroits où camper en Turquie et le réseau Warm Shower est une petite merveille. Grâce à lui, nous rencontrons Mutlu et Emre, Ezra, Levent, Ahmet ainsi que Hassan, avec qui nous partageons un repas de roi. Voilà Quentin qui pêche avec son casque. Cette côte abrite de nombreuses ruines d'anciennes cités comme Olympus, Patara ou Konos. Ces feux permanents, dus à des émanations naturelles de méthane, ont inspiré beaucoup de mythes et légendes, comme les flammes de l'enfer. La route est magnifique et serpente entre mer et montagne. On croise des belles plages, où viennent pondre les tortues, ainsi que des villages de montagne qui produisent du bon miel et de l'huile d'olive. Tu fais quoi ? On a marre la pluie. Oh, ça sort pas. Du jus de chaussette. À Dalian, nous rencontrons Fabien et Ludmila, deux Suisses qui reconnaissent notre drapeau. Ils restent là quelques jours pour réparer leur fourche de tandem en bambou fait maison. T'es content? Ouais, ça marche son machin là. Ouh, faut qu'on appelle tout de suite Anthony pour savoir quel poisson c'est. Moi, je suis pas sûre qu'on peut le manger, hein.